Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours... Viens Yoda, viens. Et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Faites-moi entrer dans un boy. Yo, papa Zozo. Qu'est-ce qu'il y a petit frère? Qu'est-ce qu'il y a petit frère? Tu me manques, tu essaies de me manquer le respect. Papa Zozo. Ah non, moi je te pose la question. Il faut que tu m'expliques. Ça dit que tu entends que j'ai sorti une chanson en featuring avec Anéan Zoer. L'ode à l'amour qui s'appelle L'amour existe. Tu vois avec tes yeux. Et tu ne fais pas une illumination sur ça dans ta magnifique page, Papa Zozo. Tu veux quoi? Il doit te payer pour ça. Tu ne comprends pas que tu as un rôle important dans la vie. Ce n'est pas seulement de vendre les annonces, mais c'est de diffuser de l'amour, Papa Zozo. Ben oui. Quand tu as une batterie importante, c'est la place que tu occupes dans le système. C'est de mettre en lumière tout ce qui est beau. Pas seulement les choses qu'on t'a payées. Quand tu es à ta place dans le système, c'est que tu es comme un phare. Tu éclaires les choses importantes qui rendent la vie belle. C'est pour ça que tu as ce pouvoir. Et donc, quand papa fait une chanson comme L'amour existe avec Anéan Zoer, tu dois être parmi les premiers avec le phare pour éclairer le truc. Et moi, qu'est-ce que je constate? Je constate que non. Je constate que non, que tu ne fais pas ce truc, Kouzo. Non, c'est pas normal. C'est pas normal, frérot. C'est pas normal. Il faut être à ta place pour faire bien le travail. Hein? Comment tu veux demander, mais tu veux que papa te paye l'argent? Comment tu peux vouloir qu'il te paye l'argent ce soir? Non, je ne dois pas. Hein? Non, je ne dois pas. Je suis ton grand frère. Hein? Et tu connais que le travail que j'ai à faire, c'est un travail extrêmement important. Et tu as un rôle important à jouer. Donc quand j'envoie, il faut envoyer en l'air. Il faut diffuser l'amour, frère. Dans un monde où la politique de la haine s'est installée, il n'y a que la politique de l'amour qui prend la clé. Libérer les âmes et les esprits des chaînes de la colère et de la haine. C'est une mission divine. Libérer les cœurs, les âmes et les esprits des chaînes de la colère. Et quand tu fais une chanson comme L'amour existe et que tu partirais au fond des tripes pour chercher la clé qui libère les gens des chaînes de la colère, les grands rebonds comme toi, vous devez faire rebondir le truc. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est une énergie puissante qui doit pouvoir entrer en contact avec le maximum de Camerounais possible. C'est une énergie qui transforme le corps. Le corps fonctionne sous... Tu vois le corps comme le carburant? Non, papa Zozo. Le corps est une machine. Et il y a une énergie qui est comme le carburant qui fait fonctionner cette machine. Cette énergie, ça peut être de la colère ou de la haine. Et tu vois la machine, elle fonctionne en écrasant les gens. Tu vois la machine, elle fonctionne en cassant les maisons des gens. Tu vois la machine. C'est-à-dire que quand le carburant qui fait fonctionner la machine là, et les êtres humains sont comme des machines. Et l'énergie qui fonctionne à l'intérieur aujourd'hui. Tu constates avec moi que si aujourd'hui on ne parle que d'amour à la clinique, c'est parce que même dans notre environnement, le mot haine et colère avait déjà pris beaucoup trop de place. Beaucoup trop de place. Et ça se transforme à une énergie qui anime les relations entre les gens. C'est-à-dire que ça anime les conflits entre les gens. Il y a doit avoir des conflits entre les gens, mais quel est le carburant qui anime ces gens? C'est la nature du carburant qui anime ces gens, qui montre leur réaction. C'est en fonction de la nature du carburant, donc de l'énergie. Est-ce que tu comprends ce qu'elle dit, pour que ce soit? Il faut comprendre ce qu'elle te dit, fils. Tu vois? Et du coup, si tu veux que les gens se comportent différemment, si tu veux que les machines fonctionnent différemment, tu dois changer l'énergie
C'est-à-dire que tu dois changer la source du carburant. Et là, tu dois y mettre de l'amour parce que le poison contre la haine, le combat contre la haine, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour, frère. Et c'est un message d'une profondeur abyssale qui ne nous appartient pas. Ça ne peut pas être un message qui vient de moi ou de Annie. Non. C'est un message qui vient de plus haut et nous ne sommes que des bouches. Et toi, c'est là où tu entres, Angèle, fils. Tu es un diffuseur. Diffuser l'amour. Ok? Donc, quand j'ai vu que je regarde, est-ce que tu as fait? Je n'ai pas vu. Non, il faut que quand tu fais, je dois voir. Je n'ai pas vu, fils. Hein? Pourtant, tu es une batterie importante dans le dispositif. Dans le dispositif. C'est que tu es une force importante qui doit être aussi utilisée pour les choses importantes. Hein? Oui, fils. Quand papa te, quand bon Dieu là-haut te donne une énergie, c'est pour qu'il t'a donné une mission. Il t'a donné une mission. Tu as la force, tu as l'intelligence, tu as la capacité, tu écris bien toutes ces armes. C'est Dieu qui t'a donné tout ça, fils. C'est pour que tu utilises ça bien. Pour que son énergie à lui, celle du bonheur et de l'amour, tu puisses en être le diffuseur maximum. Donc, je ne comprends pas, rien pas compris pourquoi jusqu'à présent, je n'ai pas dit que tu mets tout le clip. Les enfants s'imprègnent de l'amour. Ça nourrit leur âme et leur esprit. Hein? Tu laisses les histoires de l'argent, là. C'est quoi ça? L'argent, c'est rien qu'on est déjà à un niveau de grandeur élevé. Tu as compris, c'est non, pas ça. Donc arrête de me... Va faire ce truc, fils. Allez, va. C'était juste pour te dire que je t'aime beaucoup et qu'il y a des jours comme ça où je suis au calme. Hein? Donne de l'amour. Va donner de l'amour, fils. Va donner de l'amour. Ça va aller. Petit, s'il dérange. Donner quelque chose qui est puissant. Renvoie le truc. Allez. Quoique le bonnet de la crevette, si c'est vraiment quelque chose d'important. Yo, papa, tu as des enfants? Est-ce que tu as des enfants? Il faut les aimer, frère. Hein? De tout ton cœur et ta mission. Les enfants, c'était papa.